collègue? Ben en fait, on a posté un collègue en civil un peu plus loin là-haut qui nous signale toutes les infractions. Pas de ceinture, téléphone volant, plaque immatriculée 75. Et puis nous, on n'a plus qu'à les cueillir. Oh, 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 oh. Je me le mets sur le côté. Monsieur, bonjour. Coupez le contact, s'il vous plaît. Cet automobiliste a fait preuve d'inattention et il va en faire les frais. Monsieur, gendarmerie terrestre, sédentaire et mobile. Il veut présenter les documents nécessaires à la conduite d'un véhicule. Alors, permis de conduire, carte grise, récépissé, ainsi que accusé de réception. Ticket restaurant, RIB, tout y quoi. J'ai failli oublier. Je comprends pas, j'ai rien fait. Contresens. Vous étiez à contresens. Hein? Vous l'avez pas vu, mon collègue, posté un peu plus bas là-bas. Hein? Bien joué, Steph, bravo. Bien joué, Steph. Ben écoute, je suis avec Steph, interception. Merci Steph. De rien, merci Steph. Eh ben bravo à toi Steph. Qui déconne. Bien joué Steph. De rien Steph. C'est marrant parce qu'à la brigade, je me suis aperçu qu'on s'appelait tout Steph. 90%. Alors que ça fait quand même 14 ans qu'on travaille ensemble. Ouais, mais c'est fou. Et quand je me rappelle quand t'es arrivé, t'as dit mais... Steph, oh, il t'a pas arrêté, Allez, contresens, ligne blanche, veuillez s'il vous plaît monsieur, signer votre procès verbal, juste avec votre doigt, c'est tactile. J'utilisais des méthodes, ça me rappelle vraiment une sombre époque. Attendez, vous attendez quoi par là monsieur? Ben c'est une expression, ça veut dire... Non mais attendez, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. Ben, c'est une expression qui veut dire que... À peine une époque sombre de notre histoire. Mais c'est quoi? Quelle époque? Je dirais 39-45 par exemple. Vous demandez pas une fourchette approximative, on vous demande une date précise. Vous êtes arrêté au collège ou c'est comment? Allez, l'outrage, ça c'est facile. Sécurisez-moi les lieux. On le sort. Bravo Stéphane, ça part en outrage. C'est le programme de quatrième, vous savez même pas. Tu continues, mais c'est pas vrai. Bien Stéphane. Écartez les jambes. Fais-lui écarter les jambes. Vous considérez cela comme un outrage? Ah non, mais là c'est de l'espionnage. Hein. De l'espionnage industriel. Apparemment cet individu serait des choses sur nous, comme quoi nous avons arrêté l'école avant le collège. Pour ma part, j'ai arrêté en cinquième. Tranquille, Steph, filme doucement. Pas, filme pas, viens. Doucement. Je continue derrière, tranquille. Mais lui, les pinces. Vous savez, messieurs, quand on est une personne très sensible et surtout. Voilà. Cet homme devra passer la nuit au poste et écopera de 5000 euros d'amende. Les faits qui lui sont reprochés, propagande intellectuelle sur la voie publique et exhibitionnisme de connaissances historiques sur personnes vulnérables.